Y en a marre? Ah bah oui, y en a marre. Bon, on casse tout? Ouais, tout. Allez, on fait tout péter. On fait tout, tout péter. On fait tout péter et après, ça doit claquer sa mère. Alors Toinette, Gilbert, après 3 mois de travaux, est-ce que le résultat est à la hauteur de vos espérances? Oui. Très beau, oui. Ouais, ouais. Si on peut le dire, on a souffert 3 mois, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Ouais, ouais. Le résultat est là, comme vous le souhaitez. Le résultat est là, d'ailleurs, je vais te faire voir dessus. C'est parti. Allez. Nous voilà dans le nouvel espace qui a beaucoup changé. Bah oui, c'est sûr. C'était une énorme révolution pendant ces 3 mois-là. L'idée, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire la volonté, c'était d'avoir un espace cuisine. Toinette, tu m'avais dit aussi espace, un arrière-cuisine qui puisse être un petit peu isolé. Ouais. Là, le dressing du hall d'entrée pour mettre les affaires, on va le découvrir, les chaussures, les vêtements. Et puis la cave. Mon jouet. La cave, un joli jouet. Mon caprice. Ah non, non. C'est beau au quotidien. Tu te lèves le matin, t'es déjà de bonne humeur. Bonne humeur d'entrée. Puis le soir, quand t'es fatigué, j'en tombe reposant. Au niveau de la cuisine, on est dans cette ambiance, la tendance qu'on appelle scandinave, qui est très douce, très zen, entre le mélange, entre le chêne sable, très, très lumineux, très clair, des couleurs douces comme le cachetier, un plan travaillé en crystal rock. C'est vrai qu'il y a cette ambiance très apaisante. Ah, On l'a mixé aussi au niveau de l'îlot central du plan travail. Ben, ce que je vous propose, on commence par découvrir la cuisine. On fait la cuisine et puis après on ira découvrir les autres agencements. D'accord ? L'espace cuisine, on l'avait dessiné autour d'un L avec l'espace cuisson, l'espace eau avec l'évier de la vaisselle. Un très grand îlot central, hyper convivial. De l'autre côté, au niveau des linéaires, donc on a la partie cuisson avec la plaque de cuisson qu'on connaît bien avec la hotte intégrée. Sur cet espace-là, alors là, on avait une très très grosse chaudière qui nous a posé problème parce qu'il fallait arriver à la cacher. Et puis, il fallait arriver aussi à prévoir une maintenance et éventuellement un remplacement dans quelques années. Donc là, on est parti sur le concept d'un store qui permet de venir complètement la dissimuler. Alors, la partie eau, elle est décomposée d'un évier très particulier parce qu'on a mis un très grand bac. C'est mon souhait et je ne regrette pas. Pratique. À l'utilisation, hein, c'est du bonheur. Je suis tombé amoureux de mon évier. Très, très pratique.
très pratique. Et là, la robinetterie avec. Ouais. Donc là, c'est le robinet. Alors ça, le Meet Your Smex, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, on a un... Et puis tu peux travailler, tu peux le virer. Ouais. Nos amis d'Exaltica ont fait carrément le plan, un plan de travail par-dessous de manière à faire carrément une rétention d'eau. Ça aussi, au niveau d'utilisation, ça doit être au niveau entretien. Nickel, rien à dire. Et puis, petite particularité, on a le système de filtration Franke qui permet d'avoir de l'eau complètement épurée. Avec une élimination des bactéries, et le côté écologique avec plus de bouteilles plastiques. La partie eau, elle se complète avec le lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle, on l'avait mis en hauteur. Et voilà. Alors ça, c'est super. Fonctionnel. Ah, t'as pas besoin de te mettre à quatre pattes pour ranger la vaisselle. Alors notre îlot central, c'est vrai qu'on se rend compte, on avait positionné la télé en face, donc ça permet vraiment d'utiliser pratiquement de partout, ouais, d'avoir la vision. Hein. Partie plan de travail, c'est sûr que ça vous permet d'avoir un espace qui est complètement dégagé. Et toi, ça te permet quand même, Toinette, de surveiller Gilbert quand il est dans la cave, hein, comme voilà, ça. Voilà, tout à fait. Non, il est confortable. Ah, le bloc prise, tu veux brancher un robot, tu veux brancher... Ça, je kiffe ça. Non, pratique. Nickel. Les poubelles sont à disposition, tu travailles, tu vois. Ouais. Alors, le mur de colonne, c'est énormément de fonctionnalités, l'esthétisme et beaucoup de rangement. Fonctionnalité parce qu'on avait mis tous les appareils. L'idée, c'était d'avoir le four compact avec le micro-ondes intégré, hein. L'idée aussi, c'était de pouvoir servir du coup des deux quand vous avez beaucoup de monde. Voilà. C'est ça, ouais. Le tiroir chauffant, toujours agréable aussi, hein, pour vous avez du soirée, vous voulez maintenir l'assiette au chaud. Ouais. Tu dis une pizza, tu la mets là. Alors, ouais. On a un très très grand frigo, alors ce sont nos amis de chez Samsung qui le font. Très très grand frigo avec où on peut rentrer tous les plats dedans, très agréable. Et celui-ci, distribution de glace, ouais. Distribution d'eau. Glace pilée, eau. Souvent, on a le grand congèle qui est coulissant également. Le tireur, ouais. La cafetière Smeg. Donc là aussi, café, cappuccino, espresso, thé, etc. On vient de parler du grand frigo en grande largeur, mais en complément, très pratique aussi, le tabletop pour avoir tout à portée. Pour cuisiner. Ouais. Pour cuisiner. Tu vas avoir le beurre, effectivement. La crème. Et là, c'est hyper fonctionnel. Ah, et voilà. Donc l'idée, là, le challenge, c'était de faire entrer tout le fonctionnel dedans. Donc on a effectivement une énorme réserve alimentaire, mais on a aussi la machine à laver qui est en hauteur. Ça, c'est pratique. Ah oui, ça c'est bien. Sous la machine à laver, on a laissé l'espace pour pouvoir mettre la balle à linge. Ouais. On a également, on avait l'impératif d'avoir l'aspirateur centralisé, donc on l'a prévu dans l'espace. On avait aussi la planche à repasser à glisser dedans. L'espace pour pouvoir mettre tout ce qui était serpillère et autres. On avait le Dyson également à prévoir. Belle et fonctionnelle. Ça, c'est du fonctionnel. Ouais. Ça reste beau aussi. Ouais. C'est bien placé, c'est à côté. Tu vois, nickel. Au niveau de la porte d'entrée, on a le fameux dressing du hall d'entrée. L'idée, c'était ranger les chaussures, ouais, les vêtements de tous les jours, ouais, et d'avoir une partie pour pouvoir s'asseoir tranquillement qui nous fasse à la fois la transition entre le hall et la cuisine et qui permette de pouvoir mettre les chaussures facilement. Ouais. Et la partie donc pour s'asseoir, pour mettre les chaussures. Portable. On est bien. Nickel. Bon alors Gilbert, on en parle de la cave à vin. Du boulot, mais du bonheur. C'est vrai que c'est le, on va dire, le, la cerise, la grosse cerise, oui, sur le gros bien. Gâteau. Ouais, c'est le, quand on arrive, la cave à vin s'intègre parfaitement. L'idée, c'était effectivement d'avoir dans le volume de la grande pièce à vivre, vraiment un espace qui lui soit dédié. Pour manger la salle à manger. Elle articule toutes les autres pièces. Elle est belle et fonctionnelle, voilà, comme le reste. La cuisine est belle et fonctionnelle. La cave est belle et fonctionnelle. C'est nos amis de Cavilux, ouais. Hein, ouais. Jean-Philippe et son équipe, avec qui on a travaillé comme d'habitude en partenariat pour les caves à vin, qui ont fait un très très, très très joli boulot. Ouais, puis, du bon boulot, il était content de le faire. L'espace également pour venir éventuellement couper la tranche au saucisson, le côté convivial, le côté très sympa. Et on a 250 bouteilles en capacité de rangement. On découvre la salle de bain. Alors là aussi, gros changement. Ah oui, oh, gros. Très très gros changement. On est passé de la baignoire d'angle à une très très grande douche, très spacieuse. Ouais. L'idée, c'était de garder le double basque également. Exact. Donc on a travaillé sur la longueur et on est parti sur un miroir qui est rétroéclairé. Ou rétroéclairage ou après avec les spots plafonds. Les spots plafonds suffisent quand on a besoin de beaucoup d'intensité. Ouais. Et le dernier challenge, c'était de faire beaucoup de rangements dans cette salle de bain. Et donc là, il n'y a rien de plus efficace qu'un meuble qui part du sol et qui va jusqu'au plafond. Et dedans, on a mis les peignoirs. Les peignoirs. Sont mis le panier à linge. Pour la couleur et pour le blanc. On a la poubelle également qui a son espace. Ouais. On a un choix de carrelage qui est juste magnifique, qui se marie très bien avec la céramique. En sous-vase, qu'on est parti aussi. Ben là, c'est pareil, on a le plan toilette qui est le plan vase qui est sous-plan. Beaucoup de rangements générés.
Merci Gilbert, merci Toinette de nous avoir ouvert les portes de votre nouveau chez vous. On a une grosse pensée d'ailleurs pour tous nos amis artisans qui ont super bien travaillé. On vous remercie parce que l'accueil a toujours été sympa. Vous voyez, là on attaque l'apéro. Et ben ça a été pendant 3 mois de travaux, ça a été ça chez Toinette et chez Gilbert. Donc merci à vous. Et puis avant d'attaquer l'apéro, on finit par un petit Xavier Laurent. Évidemment. Xavier Laurent, évidemment.